savez, les chrétiens aujourd'hui ne savent plus prier. Et c'est difficile ce que je vais dire, mais la prière en langue a détruit la prière de beaucoup de chrétiens. Le toi, enfant de Dieu, c'est ton esprit. Mais le toi, être humain, le centre même, c'est l'âme. Nous ne sommes pas des gagnants d'esprit. Nous sommes des gagnants d'âme. La prière en langue est devenue le refuge de tous ceux qui ne savent pas prier. Un homme et une femme de prière n'est pas reconnu par sa capacité à prier longtemps en langue, mais de prier dans sa langue qu'il comprend en utilisant ses mots pendant plus d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, sans mettre un chikababa quelque part. Que c'est celle-ci. La supplication, c'est la prière faite pour répandre son âme devant Dieu. 1 Samuel 1, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Psaume 25, verset 1 de David. Éternel, je lève à toi mon âme. Généralement dans les églises charismatiques, dans les églises de spiritualité, dans les églises de réveil, nous avons tendance à utiliser Apocalypse 4 pour dire, fais monter ton esprit, élève ton esprit, ne reste pas sous la chair, ne reste pas à terre, ne reste pas là où sont les poules et les coqs, élève-toi comme un aigle, élève ton esprit, fais monter ton esprit. Là où la prière en esprit fait monter l'esprit, la supplication élève l'âme. Et il n'est pas interdit à un homme spirituel, de temps en temps, quand même son esprit est élevé, son âme souffre, son corps souffre, il est face à des situations, il est aussi bon qu'un homme spirituel, aussi spirituel qu'il soit, même s'il sait élever son esprit, des fois Dieu n'a pas besoin qu'il élève son esprit. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui ne savent plus prier. Et c'est difficile ce que je vais dire, mais la prière en langue a détruit la prière de beaucoup de chrétiens. La prière en langue a détruit la vie de prière de beaucoup de chrétiens. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est la vérité. La prière en langue a réduit le temps d'intimité que les gens ont avec Dieu dans la prière. La prière en langue est devenue le refuge de tous ceux qui ne savent pas prier. Un homme et une femme de prière n'est pas reconnu par sa capacité à prier longtemps en langue, mais de prier dans sa langue qu'il comprend en utilisant ses mots pendant plus d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, sans mettre un chikababa quelque part. Et oui, il faut le dire, nous sommes en train dans le charismatique de détruire la vie chrétienne des gens. Quand quelqu'un commence à prier, donc pour lui, tout ce qu'il fait là, c'est confesser les péchés, c'est prier pour sa mère, c'est prier pour son père, c'est prier pour les études, c'est prier pour la santé. Quand il finit, il dit, celui qui prie en langue dit des mystères. C'est des mystères, mais des mystères que tu ne connais pas forcément. Nous, quand on s'est converti, on apprenait d'abord à prier normal. La prière chrétienne, la prière en langue était la prière secours. Hein? Quand tu arrives quelque part où ça bloque, tu shiftes maintenant. Tu quittes de la langue intelligible, le français, le lingala. Maintenant, tu vas en langue. Aujourd'hui, la première partie n'existe plus. Dieu n'a, écoutez-moi, il y a des moments où Dieu n'a pas besoin d'être écouté prier en langue. Parce que Dieu n'a pas sauvé que ton esprit. Il veut aussi sauver ton âme. Ton âme doit aussi parler. Dans ton âme, il y a les émotions. Dans ton âme, il y a l'intelligence. Et dans ton âme, il y a la volonté. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus qui était rempli de l'Esprit sans mesure, qui était baptisé de l'Esprit, n'a jamais parlé en langue? Mais il parlait à son Père. Quand il rendait grâce, on écoutait, il parlait à son Père dans une langue, que, même quand son Père le parlait, c'était dans une langue que tout le monde comprenait. La prière en langue, c'est bien. Quelqu'un me comprend? Mais la prière intelligente, c'est aussi important. Il faut que tu sois conscient de ce que tu dis des fois.
Il faut que tu sois conscient des paroles qui sortent de ta bouche. C'est comme ça que tu vois comment tu grandis dans ta vie de prière. Mais si 2 heures du temps, langue, 3 heures du temps, langue, et c'est tout ce que tu fais, tu n'auras pas de bonne vie de prière. Et même tes prières en langue vont perdre de leur sens. Des fois, commence en lingala, 1 heure du temps. Tu parles à Dieu en lingala. Zamena, pécheur, merci pour Napoko, allélo. Talabana tongo bateli biso ngana banana nga. Papa na bango akenda ne ozomona beningo yebi. C'est tellement beau, c'est beau, c'est même mieux que chanalaba, kodababa, chanalaba. La prière en langue c'est bien, mais des fois ton âme doit parler. Oh my God, tiens ton voisin. Ici j'interpelle les chrétiens de la francophonie. À cause des prières en langue, un peu de chant, langue, un peu de ceci, langue. On dit je prierai en intelligence et je prierai aussi en esprit. Je chanterai en intelligence et je chanterai en esprit. Il faut avoir l'équilibre. On ne chante pas tout le temps en langue, non. On chante aussi en intelligence. On ne prie pas tout le temps en langue, non. On prie aussi en intelligence. C'est tellement, écoute-moi, c'est tellement beau de savoir que tu es conscient de ce que tu dis. Père, je suis là, j'ai besoin de te parler. C'est encore moi. Papa, ça ne va pas. Le ministère, ça ne va pas. Tu vois, à vrai dire, la relation avec Dieu, on la vit quand on prie en intelligence. La présence de ton esprit en toi, tu n'en es même pas conscient. Fais grandir ton esprit. Mais des fois, il ne faut pas seulement élever l'esprit. Il faut aussi, comme le psalmiste a dit, je lève à toi mon âme. Le Dieu qui reçoit ton esprit quand il monte, il peut aussi recevoir ton âme quand il monte. Et on a tellement spiritualisé le christianisme qu'on n'a pas le droit de verser son âme. Quand on parle de l'âme, on confond l'âme avec la chair. On confond l'âme avec prier hors de la volonté de Dieu. Frère, Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin que tu parles. C'est ça la relation avec Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est vrai, tu sais élever ton esprit. Dis à ton voisin, maintenant, élève aussi ton âme. Dis à ton voisin, il n'y a pas que ton esprit qui s'est monté. Il y a aussi ton âme qui s'est montée. Dis à ton voisin, l'esprit sait faire l'ascension. Dis à ton voisin, ton âme aussi sait faire l'ascension. Dis à ton voisin, cette semaine, je fais monter mon âme. Le trône ne verra pas que ton esprit, laisse-moi te dire. Le trône verra aussi ton âme. Oh my God. Je dis à quelqu'un, le trône ne sera pas là que pour déchiffrer, décoder ta prière en langue. Parce qu'il n'y a que eux qui comprennent ça. Laisse-moi te dire, le trône va aussi entendre ta prière en lingala. Ta prière en enfant, ta prière en quoi? En bété, ta prière en swahili, ta prière dans ta langue maternelle. La supplication, c'est le fait de répandre son âme devant Dieu. Psaume 13, verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Lorsqu'il parle, il parle de ce qu'il y a dans son cœur. Il parle de ce qu'il y a dans son âme. Quand on fait la supplication, on n'est pas dans le domaine de l'esprit. Quand on fait la supplication, on est dans le domaine de l'âme. Parce que, à vrai dire, le toi là, c'est ton âme. Le toi, enfant de Dieu, c'est ton esprit. Mais le toi, être humain, le centre même, c'est l'âme. Nous ne sommes pas des gagnants d'esprit. Mais nous sommes des gagnants d'âme. L'éternité, c'est l'éternité de l'âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Quelqu'un me suit? C'est de l'âme dont il s'agit. Ceux qui vendent leur être immatériel ne vendent pas leur esprit, vendent leur âme. L'esprit retournera à l'éternel. Mais c'est l'âme qui continuera le chemin pour l'éternité. Soit dans le lac de feu, soit dans la Nouvelle Jérusalem.